عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur la Hamza, la lettre la plus complexe en termes d'écriture, au début, au milieu et à la fin du mot. On se posera la question également quand est-ce que nous pouvons la prononcer ou pas au début du mot. Donc la vidéo risque d'être longue, vous pouvez la fractionner et la visionner en plusieurs parties. Bon visionnage. Donc d'abord, nous allons commencer avec al-hamzatul ibtida'iyya, la hamza initiale, la hamza au début du mot. Donc il existe deux types de hamza initiale. On a tout d'abord la hamza stable ou la hamza de coupure, qui est hamzatul qat'a. C'est celle qu'on prononce peu importe son emplacement dans le mot. Et à l'inverse, on a la hamza instable, ou la hamza dite de liaison, hamzatul wasl, c'est celle qu'on ne trouve qu'en début de mot et qu'on ne prononce que si rien ne précède cette hamza. Donc voilà, ailleurs, si jamais on la retrouve en milieu de phrase, la hamza et sa voyelle seront tous les deux élidées ou ne se prononceront pas. Donc nous allons commencer par la hamza stable. La hamza stable a toujours le support alif, alif, et elle porte toujours une voyelle qu'on appelle un diacritique, qui est un signe, un trait en haut ou un trait en bas ou un espèce de neuf hein, sur la lettre. Donc la hamza se place toujours au-dessus du alif quand elle porte une fatha. Exemple: Ayyub, Aktubu, Ana. Ou quand elle porte une dhamma, exemple usbu'un ou allimu. Et elle sera en dessous du alif si la voyelle qui suit est une kasra, longue ou brève. Désolé pour les erreurs. Que les textes soient vocalisés ou non. Exemple isma'il ila inna. Et quand est-ce qu'on écrit cette hamza? Nous l'utilisons dans 5 cas. Premièrement, tous les noms commencent par une hamza stable à part 7 noms, qu'on verra hein, un peu plus tard dans la hamza instable. Donc, exemple, Ahmad, Ibrahim, Umm Kulthum, et on voit que quand cette hamza stable est suivie, précédée, on la prononcera. Exemple, Al-Ja'a, Abi. Deuxièmement, les verbes trilitaires al-af'al al-thulathiyya qui commencent par une hamza de coupure. Exemple, akala, amara, ata. Donc, une fois précédé, on la prononce également. Qul amara rabbi bil qist, qui est un signe coranique, ou une partie d'un signe coranique. Ensuite, l'accompli, l'impératif et le nom d'action des verbes quadrilatères. Donc, le fi'l al-madi, le fi'l al-amr, est le masdar des af'al al-ruba'iyya, les verbes à quatre lettres. Exemple, akrama, akrim, ikraman. Zahabat ikramun ila makka. Ensuite, nous avons l'inaccompli des verbes à 3, 5 et 6 lettres. Donc, le fi'l al-mudari' des verbes thulathiyya, khumasiyya, et soudassiya. Exemple, aqra'u, je lis, akhtabiru, j'examine, astaghfiru, j'implore le pardon, kayfa ashkurullah. Donc ici encore, nous avons prononcé notre hamza. Et enfin,
toutes les particules de sens huruful ma'ani, hein, qui sont par exemple les prépositions, les exceptifs, les conjonctions de coordination en arabe, tout cela commence par une hamza stable à part le alif de l'article, de l'alif wallam. Exemple, ila, inna, anna, in, illa, a, dhahabtu, ila al-maktabati, ila al-maktaba. Donc voilà pour l'utilisation de la hamza stable. Maintenant, la hamza instable. Rappel de la définition, elle n'apparaît qu'au début du mot, donc elle a le même son que la hamza, mais voilà, une fois qu'elle est précédée, on ne la prononcera pas. Elle et sa voyelle seront élidées. Et bien sûr, on va prendre des exemples et on va citer les cas où on l'utilise. Donc on l'utilise également dans 5 cas, comme pour la hamza stable. Premièrement, les 7 exceptions que nous avons introduites tout à l'heure, dont les 7 exceptions parmi les noms. Nous avons ismun, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imru'un, imra'atun. Donc certains disent qu'il y a 10 exceptions. Donc exemple, là nous avons prononcé toutes les hamzas instables, mais nous allons la faire procéder d'un autre terme, ça va donner masmuka, masmuki. Donc là, il serait faux de dire ma ismuki, parce que la hamza est instable. Deuxièmement, l'article al. Donc si rien ne précède le al, on le prononce. Exemple, al-qamaru ash-shamsu. Mais là, une fois précédé d'un terme, il sera élidé. Ra'aytul mu'allim. Ensuite, les verbes trilitaires à l'impératif. Al-af'al thulathiya fi'l al-amr. Quand ils sont fi'l al-amr. Exemple, shariba, ishrab, fataha, iftah, daraba, idrib. Donc là, ici, on prononce, mais une fois précédé, on ne les prononcera pas. Exemple, an idrib bi'asa kal bahr. Une partie d'un signe coranique. Ensuite, on a l'accompli, l'impératif et le nom d'action des verbes quintilitaires, les verbes khumasiya. Exemple, iqtaraba, iqtarib, iqtiraban, inkasara, inkasir, inkisaran. Donc, une fois précédé également, on ne prononcera pas la hamza instable. Et enfin, l'accompli, l'impératif et le nom d'action des verbes sixtilitaires à 6 lettres. Exemple, istaghfara, istaghfir, istighfaran. D'ailleurs, si je faisais la liaison entre ces trois mots, ça donnerait istaghfara, istaghfir, istighfaran. Je ne prononce pas la hamza instable. Donc voilà les 5 cas de l'utilisation de la hamza instable. Maintenant, nous allons passer à la hamza médiane, la hamza al-mutawassita, au milieu du mot. Donc, il y a 4 possibilités pour écrire la hamza médiane. On peut l'écrire au-dessus d'un ya, non pointé, qu'on appelle également an-nabira. Donc, le ya non pointé va de même avec la kasra. Généralement, quand vous avez une kasra, sur la hamza au milieu, ça va être avec la nabira. Au-dessus du waw, qui va généralement avec la dhamma. Au-dessus du alif, qui va généralement avec la fatha. Et enfin, sans support, qui est généralement avec le sukun. Mais voilà, dans le corps du mot, il y a toujours une lutte d'influence entre la voyelle de la hamza que celle que la hamza porte, et celle qui la précède. Et dans ce cas-là, on va appliquer une règle qu'on appelle l'ordre de préséance ou la hiérarchie. La voyelle la plus forte
sera la kasra suivie de la dhamma, suivie de la fatha, suivie de la sukun. Donc selon la voyelle, on choisira l'un des trois supports ou l'absence de support. Donc nous allons voir les quatre cas un par un. Donc bien sûr, c'est en prenant en compte en fait ces deux critères qu'on pourra déterminer quel sera le support de la hamza. Premièrement, sur le ya non pointé, al-nabira, la hamza s'écrira sur la nabira quand elle porte une kasra. Exemple, su'ila fa'izun. Également, quand elle est précédée d'une kasra, dhi'bun mi'atun. Également, quand elle est précédée d'un ya d'allongement, bi'atun. Voilà les trois cas où on utilise, où on écrit la hamza sur la nabira. On écrit la hamza sur le waw quand elle porte une dhamma et qu'elle n'est pas précédée d'une kasra, parce que la kasra est la voyelle la plus forte. Exemple, raoufun, mas'oulun. Et également, quand elle ne porte pas une kasra, mais qu'elle est précédée d'une dhamma. Exemple, mu'minun, mu'allifun. Donc voilà les deux cas pour écrire la hamza sur le waw. On l'écrit sur le alif quand elle porte une fatha et qu'elle est précédée d'une fatha. Là, c'est simple. Sa'ala ta'aqlama. On l'écrira également quand elle portera une fatha et qu'elle est précédée d'une sukun. La fatha est plus forte que le sukun. Exemple, mas'alatun. On l'écrira également quand elle portera une sukun et qu'elle est précédée d'une fatha. Exemple, ra'sun. Voilà les trois cas pour le alif. Et enfin, on écrira la hamza sans support, comme ça, hein, tout seul à la ligne, quand elle porte une fatha et qu'elle est précédée d'un alif et d'un wa. Donc, que le alif, que le wa porte une sukun ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il soit le wa consonne ou le wa d'allongement. Exemple, qira'atun pour le alif. Muru'atun pour le waw de prolongation, daw'uhu pour le waw de consonne. Donc c'est le seul cas pour la hamza sans support. Donc avec ça, nous avons vu comment écrire la hamza au milieu du mot. Maintenant, al-hamzatu al-mutatarrifa, la hamza finale. Est plus simple. En fin de mot, le support dépend de la voyelle qui précède la hamza. C'est-à-dire qu'on écrira la hamza sur le alif si la voyelle la précédente est une fatha. Exemple, qara'a. Sur le ya, si c'est une kasra, quri'a. Sur le waw, si c'est une dhamma, lu'lu'un. Et enfin, sans support, si c'est un sukun, qu'il soit porté par une consonne ou une voyelle longue. Exemple, maqru'un, daw'un. Donc voilà les règles également de la hamza finale. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Shukran ala al-mushahada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Vous retrouverez également dans les descriptions. Un exercice d'application où vous pourrez répondre aux différentes questions et également l'envoyer à l'adresse mail indiquée dans la description. Donc il y a des consignes qui ne sont pas traduites, donc je mettrai la traduction également dans le document. Hada huwa, barakallahu fikum, wa salamu alaikum, à la prochaine vidéo. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية